population qui est toujours pacifique, qui a revendiqué des droits sociaux et politiques, et puis il y a des assaillants, des bandits sans famille, qui viennent assassiner Moun Belin. Le fait que vous venez assassiner, je t'ai fait un an, depuis Moun Belin, perdu Kayo, perdu famille, perdu tout ça, je dis à. Il y a pour commémorer la première année, nous-mêmes, comme avocats et monde qui a défendu le monde, nous faisons le devoir pour nous venir pour de solidarité, nous garder ça qu'a fait et demander justice pour tout le monde belé qui mourit. Est-il nous connaît-il de nous connaître tout et au-delà de et solidarité vient de côté pour Moun Katsi Belè qui est victime, mais il y a aussi les prisonniers politiques et nous sommes là, tels que Koutou Arinal et Jean-Maxime et Abel Songonek. Est-ce que ça fait toujours partie de même combat ou continue à mener toujours dans le quartier populaire? Nous connaissons que le dossier Arinal Koutoua est un dossier que je braque, tout le monde connaît que je mène le dossier ça. Et Jean-Maxime, que un jeune garçon que je connais longtemps, avant même ça a pile année que je mène le dossier ça, avec son Gonek, je mène le dossier ça, et toutes les prisonniers politiques nous connaissons. Nous disons clairement que Jean-Louis de Tillier a une pièce accord politique qui est possible. Sans libération, Arinal Koutoua, sans libération, Jean-Maxime. Sans libération prison, avec son connex, sans libération tout le prisonnier politique. Parce que Belè, j'aime toujours dire, Renal Koutoua est Timoun Belè. Son Timoun Belè qui était toujours abdi, il pas vle, Moun Belè victime. Son Timoun Belè qui te dit que massacre a fait Belè comme policier, il pas jamais d'accord pour gang, vin prendre Belè. Il pas jamais d'accord pour bandit, vin prendre Belè. Eh bien, pour ça, le dit, Jodia, c'est dans prison liée. Jodi a la souffri. Jodi a madame ni petite li a souffri. Nous même nous venons pour nous dire que avec autorité judiciaire, spécialement doyen Ben à Saint-Ville, que dossier en amène, que moi même j'ai déjà appelé d'il ça il y a 2 mois pour lui rendre décision. Et avant même moi t'ai venu là dans le bureau doyen pour demander qu'il ait la sortie ordonnance prisonnier politique qui subit et qui subit dans même dans courir à Koutoua avec son connect Maxime et sinon par les semaines là pour rendre une décision. Et nous-mêmes, nous clair, tout autant prisonnier n'est pas libéré, pas qu'à gagner la peine, pas qu'à gagner la peine, pas qu'à parce que, bon, clair, si on n'est pas honte, prenez un policier. Comprenez bien, par exemple, Renal Koutoua qui tape dans la logistique PNH. Les gens sont sortis là, ils font un temps sur la place pour Pétionville parce que tu as gagné un problème dans la zone, puis descend. Ou prendre ou arrêter le tégon chauffeur moto, fils et chauffeur moto. Ça c'est justicier. Et puis, il n'est pas mouru. C'est grâce à des policiers qui étaient là, qui dit clairement, nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons officiel. Parce que lui a dit non, ça ne va pas faire dans la catégorie. Nous-mêmes nous révoltons, nous indignés. Si je dis à la population haïtienne, non, pas levé campé pour Moun Belè, pour Abel Songonek, pour Renal Koutoua qui est Timoun Belè, pour Jean-Maxime qui est Timoun Zonan, nous mettre quoi nous pas lever pour moi nous pas lever pour nous okay. Parce que nous avons été en bataille t'a mené c'est libérer Haïti de façon pareil comme de libérer Haïti c'est retirer tout policier dans grâce qu'il y a OK mettre à l'évêque Jean-Baptiste dis-nous non. Et une point d'un cajou, tout le monde connaît ça très bien, c'est à faire accord ça et ou pas négocier un accord avec aucun dirigeant politique sans que le pagain libération prisonnier politique d'abord. Et nous, hier, incident qui passait dans Montana, bah nous positionnons sur ça qui passe là. Depuis peuple là, ouais, mettre Caleb Jean-Baptiste, si un accord, bloc avocation accord, sans que prisonnier ou pas libéré, pas jamais comme au sérieux. Nous pas jamais signer une pièce accord à quiconque. Sans que prisonnier ne va libérer. À quoi ça passe? Il faut Renal Koutoua sien, faut Anel sien, Abel Songonek sien, et Jean-Maxime sien, Baba sien, faut tout prisonnier sien. Là où fin sien, moi-même m'ap sien la kyo. Ok? Moi clair, position claire. Si nèg fait pays, faut prisonnier politique libérer puis sien à quoi? Si y'a fait bay clan, l'autre bay partisanerie, c'est pour yo dit nous clair. Rappelons force qu'on fait de presse nous faisons ensemble pour libération prisonnier politique. Rappelons force bagarre nous faisons ensemble pour libération prisonnier politique jusqu'à aujourd'hui. Hein? Pas de libération avec des nexions en prison, c'est injuste. Pour nexions en prison, on a bataille pour dire que faut que pays a sauté dans sa là en guise de libérer nexions.
comprenez bien, oui. Pour négocier encore, et comme sélection, nous même nous jurer sous nous. C'est 7 fois, 77 fois. Si nous ne pas libérés par la guerre encore politique, et quel que soit les qui font qui entre dans la politique là, c'est moi qui vais chercher, c'est à faire pour chercher, parce que nous même on va pas faire bloc avocat, on va pas faire calé parce que par la guerre encore. On va faire calé populaire, parce que par la guerre encore politique, c'est la libération. Toutes prisonniers politiques, c'est exception. Merci à vous. Merci. La presse a pour devoir suivre le cheminement que ça nous fait. La presse a un rôle que le bras joue. Donc, faire sentir à travers une question qui est capable de prétendre mes interprétations, je ne pas où comme ça. Je viens poser un plainte. Son société, que, ou même en tant que journaliste, quoi, vive là-dedans. Une société qui crochue en tant que citoyen, c'est anormal. Pour la présidence comme une institution qui s'est à part entière, une co-dépositaire souveraineté nationale là, c'est l'exécutif. Donc, pour des malandriers, des vagabonds, investir un pays de connivence avec des haïtiens, viennent poser un acte comme ça. Nous ne pouvons pas venir demander justice au Jovenel Moïse. Nous venons défendre un principe. Un principe. Donc, ou même la presse, il y a un rôle pour le jouer. Parce que nous posons action, c'est le rôle qu'on a là, pour faire action ça, jouer une route que vous jouez. Merci. Mettre Doval Mouy dans la soirée, dans le matin, il a été le premier groupe politique qui a exigé justice et arrêté tout le monde qui est impliqué dans la soirée. Même dans la conférence de presse, nous avons dit pour nous dire nous porter plainte dans le paquet, le premier dossier nous avons avec nous, c'était le dossier Mettre Doval. Je dis, nous venons dans le paquet, nous venons verbaliser plainte. Nous venons avec un juge de paix pour faire constat que bel et bien plainte nous li au niveau paquet du Port-au-Prince. Et qu'on y a là, tout de suite, nous finissons parler, nous-mêmes qui journalistes qui là, c'est pour nous poser commissaire gouvernement en prix et question, qui sale va faire avec plainte ça. Parce que nous allons faire plainte, mettre dans le petit bois, monsieur. D'ailleurs, pour nous venir là, nous faisons un gros exercice. D'ailleurs, tout le monde connaît l'espace nous y a, qui espace que lui. Ça veut dire, nous allons venir là pour venir jouer. Je dis, il faut tout le monde d'accord. On n'est pas qu'à premier ministre, pour rapport RNDDH là, dit, ou parler pendant. Avant action, pendant action et même après action, et pour toujours être comme premier ministre, tout le monde a gardé danger, comme si pas aucun monde qui est capable de dire rien. Comme si directeur général de la police, on est mettons arrêté dans le monde qui nous est directeur général AI, ou bien toute qualité frère, ou bien valise fiche gaz ou dans le monde, ou bien pile les cap bon sécurité, gros machine numéro 1 la police dans le monde, rapport NDDH l'a dit, Jovenel Relo en 3 à 7 fois, ou pas venir sauver l'eau qui te le mourir, donc je dis à la vie qui nous a garanti. Sécurité, qui nous a garanti? Dans le contexte, Vive Haïti vient porter plainte et Vive Haïti vient consolider plainte. Et nous venons là pour dire commissaire gouvernement. Pas qu'on ne vient devant là, ni comme premier ministre, ni comme directeur général. Parce que nous-mêmes, nous venons là comme citoyens, qui doivent répondre à la question de la justice. Il a déposé costume premier ministre, il a déposé costume directeur général, là ça pas de aucun nèg qui a aucun appareil étatique de elle pour venir faire pression avec le commissaire gouvernement parce que l'on nèg c'est premier ministre. Le commissaire gouvernement c'est subalterne ou lien qui gens ou lui pas poser question s'il connaît ou qu'a fait n'importe bagaille. Et jodi là nous vinn dit faut ça suspendre. Des monde qui pense c'est justice nous vinn demander pour Jovenel. Non. Nous vinn dit justice pour la présidence. Et nous vinn dit pour quel que soit le monde qui vive président pour ça pas répondu encore. Antimoteo n'y a fait politique, m'a pas président pays à demain. Gagne qui président pays à eu formé passé. M'a pas président pays à demain. Si le président pays à demain, c'est comme si vacabon va venir assassiner comme ça. Et nous faisons tout pour nous dire, quel que soit haïtien pour y a, ou pas qu'il doit mélanger avec étranger pour assassiner un haïtien pareil. Et nous-mêmes, m'a fini pour nous dire.
que dans bon logique nous t'es adversaire politique Jovenel, mais nous pas adversaire pour nous détruire et nous pas prendre aucun plaisir dans ça qui vient là. Et même Jean nous vienne là, nous a demandé la justice pour faire pression pour nous connaître qui ça Ariel t'a dit avec présumé criminel Badio Joseph avant assassinat, pendant assassinat et après assassinat. Mais tout nous vient là pour nous dire commissaire gouvernement faut aller le directeur général de la police non pour nous connaître. Eh bien, pour qu'il s'ajoute le relou en 3-7 fois, ou pas vite sauver. Alors, c'est bon, pile monde qui mourit déjà ou était dans le poste. Massacre fait dans différents cas de populaire ou était dans le poste. Même policiers là en difficulté, ils ont relé ou pas vini. Le 12 mars, ou pas vini ou quitté ou mourir. Je dis à la encore, même président, qui faut grâce mettre en arrêté et présidentiel, on a arrêté, non, mais on faut directeur général de la police pour qu'il le mouille. Donc nous venons là pour nous dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire back dans le combat que nous avons mené, pas qu'il y a un monde qui a dit. On est si vous avez dit, nous déposons plainte, c'est il y a des autorités pour faire suivi, mais nous venons faire constat pour faire tout ça. Non, mais c'est normal, sous fond plainte, vous déposez le. Si pas qu'il y a un juge de paix qui vous vient garder effectivement plainte ou là, n'importe quel cas vient de mentir, vous ne pouvez pas déposer plainte. Vous n'avez pas vos numéros, vous n'avez pas enregistré. Il y a une valet date, dossier a perdu là. Il y a un gros dossier qui est président de Paki à la rue. Qui s'est dit dossier Viva Haïti, plein de Viva Haïti à Paki à Pédi. C'est dans le contexte que nous venons avec le juge de paix, nous venons avec l'avocat, nous, mais nous invitons la presse tout pour la presse connaître. Ça n'a pas dit, c'est pas un menti nous y est, nous avons une lettre qui déposer là. Nous n'avons aucune pression avec nous. D'ailleurs, nous clairons. Si vous jouez monsieur impliqué dans les choses, la loi n'a pas appliqué, même j'en ai appliqué pour Colombia. Mais si vous ne jouez pas dans les choses, Viva Haïti Paris, pour dire monsieur, mon cher, excusez-nous de comprendre les choses, on l'a dit, ou éclaircir tout devant la justice, ça finit. Deux petites questions. Quand vous déposez le pétard, qui juge de pétard avec vous? Pour question juge de PA, je ne pas autoriser pour nous dire non, parce que nous connaissons comment le pays a été déjà. D'ailleurs, nous avons un bon juge de paix qui était allemand et constant en haut, nous avons tout ça passé. Nous ne pouvons pas faire ça. Dans quelle section sorti quand même? Non, nous ne pouvons pas faire ça. Qui sorti dans la section? Nous ne pouvons pas faire ça. Quand on dépose maintenant, greffe parquet ou bien côté? Non, le côté de sortie à la OUE, ça veut dire plein de déposer un côté pour le commissaire gouvernement joindre ni direct. René Timothy. Et pas moi seulement pour me poser la question, l'elfe de la fonale demande au commissaire gouvernement qui ça l'a fait appeler ça. René Timothy, et Viva Haïti retire l'école dans le secteur démocratique. Là, on a une principale raison qui pousse le gouvernement. On a peut-être ça dans nos conférences de presse, mais je dis on a prêté la question. René, c'est pas pour la plainte Viva Haïti déposée. Nous connaissons une plainte qui ça nous capable de souhaiter et comme retomber. Et démarche ça, et attente-lui, considérer tout, qui rôle un commissaire gouvernement, qui est-ce qui nomme un commissaire gouvernement, et tout ça qui gagne comme aléa, comme pourquoi dans la question et plainte ça, qui ça nous capable d'atteindre? Pas vraiment un juriste, même quand on dit les juristes ont parlé, ils ont toujours dit un commissaire gouvernement, c'est avocat société. Ça veut dire qu'il y a avocat, il y a avocat qui est victime, il y a avocat nous-mêmes qui sont dans la rue. Ça veut dire que dans la bonne logique, le commissaire gouvernement doit aller dans qui est ce qui est nommé. Mais si qui responsabilité la prend pour la société, il se défense. Confrère Vimado, indépendant de ce commissaire gouvernement, est-ce que vous pensez que le cas fait suivi avec maintenant? Je dis la justice qui a pour devoir faire la différence. Parce que ça qui passe là, son bagage qui est grave, pour ça pas arriver aucun autre nègre qui se pouvoir. Et la même justice, ça n'a dit que je voulais le caser. Je dis, je ne parle pas de justice, Jovenel Gazi. Si Jovenel pas de casier justice, nous allons venir demander de justice pour les gens. Il faut nous clair dans ça, oui. Mais je dis, en tout cas, il faut pression sur l'appareil. Nous sommes capables de dire justice pas bon. Mais quand pile juge, dans le système, nous connaissons que c'est des hommes sérieux, que c'est des hommes honnêtes, ou aller trop pareil pour boucher ou non. Je dis, si un mec sérieux dit, il y a pris la justice, là, eh bien, il y a mené la direction, vous voulez mener là. On va garantir qu'il n'y a pas de résultat. Oh! C'est parce que nous estimons que dans le cas d'assassinat président, il y a deux mondes qui t'a supposé répondre à la question de la justice que nous-mêmes nous avons négligé en tant que organisation qui l'a pour protéger tout intérêt société dans le cadre de ça nous sommes obligés de déposer plainte ça pour nous te dire que à commissaire gouvernement il y a deux personnages là qui sont très importants pour attendre dans le cadre de dossier ça et à cette phase nous pensons que le commissaire a un pour devoir pour le point qui est supplétif pour mettre juste des situations au courant pour dossier capable de faire chemin.
parce que nous tous haïtiens, ça passe à pas que bon monde qui a accepté le genre passé. Quel personnage va parler? Je voulais parler de Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse. Mon lieu de temps. Hein? Personnage de non, mais ça c'est on est capable de garder ensemble avec Monsieur Ariel Henry et Léon Charles. Ok? C'est dans le cadre de ça et dans le cadre de deux personnages, nous venons déposer plainte ça. Ok, nous avons déposé plainte là en date du 26 août. Je dis à la que ça nous fait. Nous venons avec un juge de paix en présence du secrétariat parquet pour dire effectivement oui, il y a recevoir plainte ça. Ça veut dire que pour personne pas dit que organisation d'unité déposant plainte même pas privé côté il était privé à partir de constat ça yo répond oui effectivement yo te recevoir plainte là qu'on a nous même attendre pour plainte en fait chemin au moment opportun pour nous compte qui ça la justice t'a dit à compte ça chambre c'est pas une démarche en plus là nous tenons compte de type de personnalité nous souhaiter que et le commissaire du gouvernement attendait à la politique. Ouais. Bon, effectivement, je dis à Jean-Noël Kaweli, nous-mêmes au niveau organisation sociopolitique et Vive Haïti, nous avons plein de qui dans le parquet et jour qui était 26 août là, pour par rapport avec rapport SAA, rapport NDDH là, qui sorti dans la date 20 août. Et nous sommes capables de dire que c'était un temps pour un coup de massue. Le RNDDH sorti document ça. Et dans le document RNDDH, là, il cite nommément un monde pour Ariel Henry avant, pendant et après assassinat Jovenel Moïse. Ariel Henry était en communication avec Yon. Notre principal accusé en tant que crime ça, qui c'est Félix Badiou. Donc, nous prenons le directeur général de la police à Iatou, en parlant de Léon Charles. Monsieur, en tant même rapport ça, RNDDH a cité à plusieurs reprises, Jovenel Moïse était le monsieur, mandé monsieur, lui en détresse et en situation difficile, vient sauver la vie. Jusqu'à ce que Jovenel mourisse, je n'ai pas jamais des pieds dans la zone. Là. Par contre, nous-mêmes, en tant qu'organisation, au niveau de la société civile, qui bataille pour droit de la vie de la respecter en tant que pays, et surtout pour une institution tant que la présidence. Contrairement à ce que nous avons pensé, tant que nous avons une bataille pour une justice pour Jovenel. Nous n'avons pas de bataille pour une justice pour Jovenel, parce que Jovenel n'a pas de blé population de justice. Il n'y a pas de pays à la justice. Et c'est ça qui fait avant de mourir, il crase toute institution nette qui est en dans le pays. Mais nous voulons pour un exemple tracé. Pendant une génération, eh bien, jusqu'à cette génération, ça disparaît sous bout de ça pour question assassiner un président pour ne pas qu'on ne pas répéter encore. Nous voulons, quel que soit le temps du président dans le pays, quel que soit le problème qui est ensemble avec lui, Pinga ou moun mette nan tetou ou pour l'assassiner au président. C'est des bagailles qui sont graves. Donc, nous même au niveau organisation sociopolitique en Haïti, nous avons déposé plainte là, dans la date 26 août, jeudi, nous connaissons qui Jean-Pierre Yaye, Talé Aldine, pas de gagner plainte qui était déposée. Nous déposé plainte là, nous venons avec avocat nous venons avec juge de paix et puis greffier pour venir constater pour nous que plainte là est belle et bien déposée au niveau parquet. Contre Ariel Henry, contre Léon Charles. On a arrêté avec le commissaire du gouvernement pour prendre responsabilité dans le cadre de travail, dans le cadre de plainte ça, lui-même, lui contre ça la loi dit pour le faire. C'est d'après selon ouais, Jean avocat son deal et décision, le commissaire du gouvernement a le pour le prendre. Donc, le commissaire du gouvernement, non seulement nous voyons plainte là en bas, nous déposons plainte là, mais nous faisons pas de rapport. Nous déposons. Document rapport à RNDDH à Bali. Et avec document, lui-même est plein de temps, il y a assez d'éléments pour prendre responsabilité de Mounsayo, pour l'inviter, pour venir répondre à la question de la justice, une fois pour toutes, pour que les bagages ne soient pas répétés dans la société. Mais question maintenant, là, vous pouvez parler.